Et salut tout le monde, donc j'espère que vous allez bien, c'est le gamer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour aller chercher l'ankylosaure qui nous permettra de traverser de l'autre côté et rejoindre notre nouveau ami qui s'appelle Sor. Donc il est humain mais on ne sait pas ce qu'il fait à cette époque-là. Donc voilà, il y a peut-être eu un problème de déviation spatio-temporelle. Donc voilà, j'en sais pas trop. Il parle Dino en plus. Comment on va lui faire comprendre à l'ankylosaure de nous suivre? Regarde, un ankylosaure dans toute sa splendeur, viens, mon grand, mon gros, on a un ravin à te présenter. Ah bon, ben il nous suit comme ça, lui. Il n'y a même pas besoin de parler le dinosaure pour qu'il puisse nous suivre. Bon, ben. Ouais, il nous suit bien. C'est que je l'avais perdu de l'écran. À vous l'honneur, monsieur l'ankylosaure. Oh, trop balèze. Super, on peut traverser maintenant. C'est terriblement haut. Je crains de ne pas avoir l'aisance du terreau. D'a-t-il, et je préférais rester sur cette rive, capitaine. Toi, venir, un temps être pour chouiner, un temps être pour traverser. Cet énergumène semble considérer que nous avons gardé les dinosaures ensemble. Sors attendre, vous, maison, juste là. Ok, on te suit dans ta maison. Pourvu qu'on tombe pas. Ouais, c'est bon. Ah, à droite, il y avait sûrement un coffre ou quelque chose. Parce que ça emmenait un cul-de-sac. Donc voilà. Bienvenue. Tu es seul ici? Seul? Non, papa de sort ici aussi. Venez voir. Venez, moi, présentez-vous. Papa? Ton père? Wouah! Papa! Sors être arrivé! C'est être un dino. Eh oui. Quetzalcoatlus, là. Miam. Ça être égal, Aridon, toi manger et dire sort des nouvelles. Merci, ça a l'air délicieux, surtout. Quand on voit tout ce que tu as déjà mangé. Dis-moi, sort, comment t'es-tu retrouvé ici? Comment, quoi? Eh ben, tu es un humain, comme nous. Cette époque n'est pas la tienne. Sors pas comprendre, sors toujours vivre ici, depuis tout petit. Sors être enfant, papa, papa avoir œuf, et sors sortir. Un œuf, et puis quoi encore? C'est Tolibrius, débile, tellement d'absurdité à la minute
qu'on ne sait pas lesquels relever en premier. Sors, pas mentir, sors, montrer-toi, œuf. Enfin, sors, montrerai-toi, œuf, si œuf pas cassé par grosse patte de papa, après moi sortir. Oh, dommage. Mais pas problème, sors, vouloir savoir d'où ou venir derrière grosse montagne, vous vivre là-bas depuis longtemps. C'est une longue histoire, mais pour faire court, nous sommes à la recherche d'un dinosaure particulier. Oui, un dinosaure encore plus fort qu'un tyrannosaure. Ça te dit quelque chose, sort. Tyranno, sort. Pas vrai. Sort être, sort très gentil. Tyrannosaure ne signifie rien pour sort. C'est juste un nom que les scientifiques de notre époque lui ont donné. Tyrannosaure. Ah, Tyrannosaurex. Si, si, sort, bien connaître lui. Eh, tu connais ce mot? Tyrannosaure, pas si fort. Papa maître raclé à lui si papa vouloir. Bah, boum, et Tyrannosaure détalé sans demander reste. Sort et papa s'entraîner tous les jours. Sort très fort, et papa encore plus. Nous n'en doutons pas une seconde, sort. Mais existe-t-il un dinosaure plus puissant que le tyrannosaure, d'après toi? Peut-être Mama Boss. Mama Boss est forte, très forte. Mama Boss habitait dans Vallée des Bêtes, dans grosse caverne. Autre dino appelé elle Boss, car elle est le plus gros dino des dinos. Ce ne peut être qu'elle. Aridon, Arion. D'après cette description, elle présente le profil idéal pour un Miximax de première classe. Ça m'en a tout l'air. En effet, sort, pourrais-tu nous emmener voir Boss? Ou, bien sûr, qu'on sort pouvoir rendre visite, service. Ah, sort avoir surestimé énergie. Sort, pas trac, envie de dormir maintenant. Ah, il me saoule à pas faire de phrase. Pensez-moi, je boune de rêve. Psst. Oh, la marmotte, on se réveille. Le rendez-vous avec Boss est reporté à demain, on dirait. Je confirme. Bon, autant chercher aussi un endroit où passer la nuit. Tu penses qu'il essaie de nous dire qu'il nous protégera cette nuit? Je pense bien que... Oui. Nous devrions accepter cette invitation. Eh ben, ça vaut toujours mieux que de passer la nuit dans la plaine. Génial, on va camper avec un vrai dinosaure, je vais dormir comme un bébé. Une grosse journée nous attend demain, autant prendre des forces. Bonne nuit. Alors, quelle est ton opinion, Wonderbar? Comment crois-tu que sort s'est retrouvé ici? Je n'en sais rien, je ne pense pas qu'il y ait d'autres humains ici. En même temps, ce n'est pas le Quetzalcoatlus qui lui a appris à parler. Tu crois que c'est un piège que nous tend Eldorado? Ce n'est pas impossible, je vais envoyer un rapport au professeur Cryptis à propos de sort. Il pourra peut-être nous éclairer. Ok, j'ai quand même du mal à l'imaginer comploter contre nous. Il a vraiment l'air d'avoir un bon fond. Ça, c'est vrai, par contre. Il a l'air inoffensif. Je veux savoir comment un humain a pu se retrouver au Crétacé. Démarrez vos recherches séances tenantes. Affirmatif. Le lendemain matin, au lever des dinosaures. Arrivé dans la vallée des bêtes, confirmé.
Commencement de la mission conformément au plan 14. Tout le monde debout. Alors, nous allons voir Mama Boss. Sors, la vallée des bêtes est de l'autre côté de la plaine, sur le bateau que tu nous as montré hier. Le plateau, pardon. Comment on va l'atteindre? GP, avoir mémoire de mammouth. Vallée des bêtes est très dangereuse. Vous faites attention où vous mettez vos pieds, quoi. D'abord, ça se prononce JP. Ensuite, tu n'as pas répondu à ma question. Comment on va atteindre le plateau? Il ne t'entend pas, JP. Il est déjà trop loin. Autant le suivre au point où on en est. Bon, ben on va le suivre. Voilà. Bon, tiens, on va aller voir de l'autre côté. Il y a sûrement quelque chose obligé. Oh, deux coffres. Nous voilà pas chanceux. Oh, viande juteuse. Ça me donne faim. À ce moment-là, en plus. Et un bracelet de force. Donc, voilà. Même si j'espérais avoir un manuscrit. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais bon. Et dire qu'il y a certaines personnes qui ont fini le jeu en depuis la même semaine où il est sorti. Ok, le plateau n'est pas rabaissé au cours de la nuit. Comment sommes-nous censés grimper là-haut? Et Cro-Magnon, on n'a qu'à demander à un de tes copains dino de nous donner un coup de patte. Oh, tu penses à un dinosaure en particulier? Je sais pas, moi, un dino avec une bonne détente. Il nous attrape, il saute, et zou, on se retrouve en haut en un clin d'œil. Non, c'est trop dangereux. Quand sort à les vallées des bêtes, sort être aidé par Alamosaur. Sort marcher sur nuque du Alamosaur. Bonne idée, sort. Vous avez entendu, on cherche un Alamosaur. Alors, en résumé, c'est moi qui ai la bonne idée et c'est sort qu'on remercie. Je vois le genre en route. D'ailleurs, il va falloir que mes joueurs récupèrent leurs points. Leurs points d'endurance et de technique. Et ben, c'est qu'il y a de la route. Ah, celui-là devrait suffire. Voilà, l'Alamosaur. Où je ne m'y connais pas. Allez, mon joli, on t'emmène au plateau. Ah mince, on peut aller qu'aux grandes plaines. Oh non, un petit défi. Bon, ils vont me passer mon Victor. Et c'est parti! Forteresse de nuit! Et c'est parti, je tire fortissimo V4. V3, pardon. Torse d'acier, il va pas l'arrêter.
Tu parles des pecs. T'en as pas de pecs ou quoi? Eh ben, ça fait de la route tout ça. Ils auraient pu nous mettre sur un petit dino pour faire les transports. Ça aurait été sympa. Monsieur l'Alamosor, à vous de jouer. Génial! Qu'est-ce que vous en dites de cet escalier improvisé? Attention, voilà des bêtes remplies d'animaux. Très très dangereux. Vous restez près de Sort. Sort protégé, ami. Ouais, surtout si on doit rencontrer un dino aussi grand. Encore plus grand que celui-là. Là. Bon, mais encore un défi, super. Au moins, on va pas s'ennuyer de défi. Allez, gauche, Victor. J'ai suranticipé, mais est-ce que ça va être suffisant? Non. Allez, Tasquet, tu peux le faire. Bien joué. Et mince. Allez, Aridon, c'est parti, tire la rafale. Et c'est le but. Et voilà, défi remporté. Bon, c'était trop simple. Donc voilà, on va continuer en direction de Mama Boss, je crois. Ça doit être par là, pas très loin. Ça, Vallée des Bêtes, Mama Boss, à l'intérieur. Loin de moi, l'idée de paraître alarmiste. Mais est-ce bien prudent de se rendre sans invitation chez un dinosaure gigantesque. Haha, toi, pas t'inquiéter, Mama Boss, ami de sort. Mama Boss, toute douce, toute douce. Tu as un carnet bien rempli. Tu as eu un carnet d'adresses bien rempli, excusez-moi, sort. J'ai hâte de te rencontrer cette nouvelle amie. Oh, vous avez vu, il y a un petit troudon sur le pont. Oh là, JP, c'est pas dans tes habitudes d'utiliser des vilains mots comme ça, mais t'as raison. Je le dis toujours. Trop bon, trop. Trop don. Tu as jamais entendu parler de ces dinosaures. Il paraît qu'ils étaient terriblement intelligents. Alors lui, Ryoma, il pense qu'à bouffer. Vous ouvrir œil. Et bon œil ou croque. Vous finir dans estomac dino. Ça être dur, loi de Vallée Bête. L'endroit est décimant charmant. Je crois qu'on va pas avoir le choix. Il va falloir se débarrasser de ce dino si on veut avancer. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et que vous n'hésiterez pas
à continuer à liker, à commenter, à vous abonner également sur la chaîne. N'hésitez pas à commenter, voilà. Voilà, dans le prochain épisode, nous allons affronter les trop bons, comme dit Ryoma. Mais en fait, c'est trop don. Donc voilà. Sur ce, je vous dis bye à la prochaine. Et puis, n'hésitez pas à regarder mes vidéos, pardon. Oulala, je suis fatigué, moi. Que je dis n'importe quoi.